Pendant cette opération, la position des profilés sur la table de sillage est très importante. C'est essentiel pour obtenir des onglets parfaits. Pour ce faire, les outils d'usinage doivent être assez affûtés et les machines doivent être bien réglées et suffisamment huilées. Utilisez les mors de serrage adaptés et veillez à ce que la table d'amenée et d'évacuation soit exempte de copeaux et de souillures. Lorsque l'on exécute les opérations d'usinage de façon conventionnelle, les différentes positions des opérations doivent d'abord être dessinées sur les profilés. Pour les positions exactes, nous en référons au catalogue. Les différentes opérations sont exécutées avec des perforeuses, fraiseuses ou foreuses Reinhardt. Pour une fenêtre coulissante, nous effectuons les opérations suivantes avec les perforeuses. Les trous pour les vis sur les dormants extérieurs, la découpe au-dessus et en dessous du profilé chicane. Lors des opérations avec la fraiseuse, portez toujours des lunettes de protection et une protection auditive. La fraiseuse effectue les trous pour la serrure, le cylindre et la poignée dans le profilé de l'ouvrant. Ajustez le cylindre dans son emplacement tant que le profilé se trouve sur la machine afin de vous assurer que tout est correct. Avec une foreuse et un gabarit, nous effectuons les trous pour le drainage du dormant extérieur. Enfin, avec une foreuse, nous réalisons les trous pour la fixation de l'ouvrant fixe dans le dormant, la gâche pour la serrure dans le dormant extérieur. Ces opérations d'usinage peuvent être réalisées avec une machine CNC via les données de RainaPro. Avant d'assembler le dormant, nous devons encore placer une pièce de compartimentage dans le dormant extérieur inférieur et colmater avec du silicone. Ensuite, nous appliquerons encore à gauche et à droite des éléments d'étanchéité que nous colmatons également avec du silicone. Les raccords d'angle peuvent être réalisés de différentes manières. Pendant cette formation, nous visserons les profilés de dormant et nous sertirons les profilés de l'ouvrant. Pour ce faire, nous procédons comme suit. Les coupes doivent toujours être propres et sans copeaux. Nous appliquons du Reina Protector sur les coupes. Dans la chambre centrale, au niveau des barrettes d'isolation, nous injectons du silicone. Ensuite, nous glissons les équerres à sertir et les équerres de remplissage dans les chambres. Les autres profilés sont glissés dans les coins afin d'obtenir un dormant complet. Le lien mécanique est à présent créé par des vis. Ensuite, le dormant est complètement nettoyé. Pour terminer, nous plaçons le rail et les capuchons d'évacuation d'eau afin de parachever le dormant. Pour les profilés de l'ouvrant, nous procédons comme suit. Comme toujours, les coupes doivent être propres et sans copeaux. Nous y appliquons du Reina Protector. De la colle à deux composants est appliquée au préalable dans les chambres. Les équerres à sertir de soutien et de remplissage sont glissées dans les chambres. Les autres profilés sont glissés dans les coins afin d'obtenir un dormant complet. Le lien mécanique est à présent créé par sertissage. Utilisez toujours à cette fin les bonnes lames et le bloc de sertissage correct. Veillez à ce que la machine soit correctement réglée et à ce que le dormant soit bien plat sur la table afin d'obtenir un onglet parfait. Ensuite, nettoyez complètement l'ouvrant. Maintenant, nous plaçons les joints et commençons par les brosses. Nous coupons les brosses avec des ciseaux spéciaux. Les brosses sont placées dans les rainures prévues à cet effet dans les profilés. À l'extrémité, nous collons à la colle rapide afin d'éviter qu'elle ne se déplace. Pour terminer, nous appliquons les joints de vitrage. Le joint de vitrage doit aussi être découpé avec des ciseaux spéciaux.
Lors de l'application du joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour tout rétrécissement éventuel. Les coupes sont collées avec de la colle de vulcanisation. Reynards dispose d'un énorme choix en accessoires de fenêtres. C'est pourquoi nous ne pouvons montrer qu'un type d'accessoire dans ce film d'instruction. Pour le montage d'autres accessoires, veuillez vous référer à notre catalogue Access. Nous procédons comme suit. Nous fixons les chicanes sur les ouvrants. Nous plaçons la serrure, le cylindre et la poignée dans l'ouvrant. Nous fixons les roulettes au bas de l'ouvrant. Ensuite, nous plaçons l'ouvrant fixe dans le dormant. Celui-ci est fixé. Ensuite, nous plaçons les ouvrants coulissants dans le dormant. La gâche pour la serrure est fixée dans le dormant extérieur. Maintenant, nous préparons les brosses que nous fixerons ensuite au-dessus et en dessous du dormant et des ouvrants. À présent, nous pouvons utiliser et tester les accessoires pour la première fois. Le réglage de ces accessoires est largement abordé dans la formation « Placement et réglage de menuiserie en aluminium ». Pour finir, nous plaçons les différents supports de vitrage. Ces cales de vitrage transmettent le poids du vitrage à l'ouvrant ou au dormant de la fenêtre. Un placement correct est très important pour le bon fonctionnement des fenêtres. Dans le catalogue, vous retrouverez différents croquis qui illustrent le placement correct par type de fenêtre. Les pare-closes doivent être sciés sur mesure. Il est préférable de les mesurer une fois que la fenêtre a été complètement assemblée. Nous plaçons d'abord les pare-closes inférieures et supérieures. Les pare-closes verticales se placent entre celles-ci. Pour terminer, nous effectuons un dernier contrôle de qualité.